Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc, dans ma précédente vidéo, je vous disais comment, quel compte plutôt ouvrir en banque en Algérie, parce que vous me l'avez beaucoup demandé, quelle banque, en gros, quelle banque est conseillée ou pas. Donc, moi, je vous avais parlé de la BNP Paribas, parce que c'est une expérience, parce que bah, j'y étais. J'y étais, donc voilà, je vais pas vous parler d'une banque que j'ai pas essayé en Algérie. Excusez-moi du coup pour la vidéo, je ne sais pas pourquoi Google l'a coupé, donc j'étais en train de vous parler de Jumia à la fin, mais bon, ça a coupé, tant pis, c'est pas grave, j'en referai une. Là, c'est pour revenir sur les documents. Donc j'ai voulu en fait vous faire une vidéo juste après. Hop, donc j'ai préparé et les documents, parce que vous êtes nombreuses à m'avoir dit, oui, mais pour ouvrir un compte en banque, Ourti, il nous faut quels documents, qu'est-ce qu'on doit préparer? Donc, et pourquoi? Eh ben, un compte en banque, c'est super important en Algérie. Ben, déjà, comme je vous l'écris, pour avoir un salaire, des virements, si vous voulez faire un voyage, si vous faire des achats en ligne, ben, c'est comme dans tous les pays d'Europe, ben, au Bled aussi, c'est pareil, c'est super important. Même si, je veux dire, en majorité, on n'utilise pas de carte bancaire, et voilà, si vous voulez recevoir un virement ou autre, c'est bien d'être préparé et de ne pas chercher après quelqu'un pour accepter de vous faire virer de l'argent. Voilà. Donc les documents à préparer, il y a pas mal de sites. Comment vous dire? Là, si je tape ouvrir un compte en Algérie, si vous faites comme moi, hop, eh ben, vous allez trouver plein de, en gros, plein de banques qui vont vous dire comment ouvrir un compte. Du coup, je vous ai fait selon mon expérience. Donc, on revient à cette page pour vous dire de préparer un certificat d'acte de naissance avant de vous installer ou de vivre en Algérie. Après, c'est valable pour ceux aussi qui viennent en vacances et qui voulaient tout simplement ouvrir un compte. D'un certificat de résidence ou pour ceux qui seront dans mon cas, moi, c'est-à-dire si vous vivez chez votre père ou chez quelqu'un, donc il faudra un certificat d'hébergement ou appeler ça une attestation d'hébergement. Également une photocopie de votre carte de séjour ou d'identité ou votre passeport. Voilà. Moi personnellement, j'ai donné mon passeport algérien, donc je ne sais pas si ça marche pour le passeport français. Je pense que oui, vu que c'est si c'est une banque, bien sûr, genre BNP, Paribas, la Société Générale, etc. Donc des banques qui sont installées en Algérie. Faites attention parce qu'on peut vous demander, je pensais à ceux qui sont vraiment des ressortissants français, donc ils ne sont pas algériens, qui n'ont pas la double nationalité, c'est-à-dire on peut vous demander une copie de votre attestation de travail voilà, en Algérie. Voilà. Et en rouge, je vous ai mis les chèques. Hop, je vais zoomer. Donc les chèques et les cartes bancaires, ben, sont pas trop utilisées en Algérie, donc prévoyez toujours du liquide quand vous venez en Algérie. Je connais pas autour de moi quelqu'un qui s'est servi de sa carte hormis pour un billet d'avion. Donc voilà, mais comme je vous l'ai dit, la carte c'est bien pour les virements, pour recevoir son salaire, tout ça, et voilà, pour pas compter sur la famille, les amis. Voilà, en plus c'est un peu personnel l'argent. Là, je vous ai mis ça. Faites attention à ceux qui viendraient en vacances, qui ne sont pas résidents en Algérie. Hop, je vais le zoomer. Hop, hop, hop. Donc faites attention si vous voulez pas avoir des problèmes avec, je sais pas, le fisc ou les impôts. Donc, les contribuables domiciliés en France doivent déclarer à l'administration fiscale les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger, d'après l'article 1649. Donc, cette nouvelle loi, en fait, elle est issue de 2018 et c'est genre pour lutter contre la fraude et tout ça depuis le 1er janvier 2019, selon le site, et les comptes inactifs ou acquis suite à une donation ou un héritage.
Du coup, je voulais pas vous mettre tout un topo de la loi. Et ceux, en gros, qui se feraient attraper avec un compte à l'étranger et qui ne l'ont pas déclaré en France, je crois que l'amende, elle est de 1500 euros par compte. Donc voilà, j'ai pas voulu vous faire un pâté, mais c'était bien de vous le dire. Voilà. J'espère que la vidéo, ben, elle vous aura plu. Celles qui veulent rajouter en bas, qui ont ouvert des comptes, qui veulent rajouter leur expérience ou dire, voilà, moi, j'ai préparé tel document. Ça serait bien, en fait, de le dire en bas dans les commentaires. Comme ça, ben, les spectateurs, ils lisent et ben, tout le monde, voilà, on se partage nos petites idées. Voilà, quoi. Voilà, comme ça, on a les bonnes techniques pour vivre en Algérie. Voilà, bon, comme d'hab, mes vidéos, je parle beaucoup. J'espère que j'ai pu vous aider et éclairer vos petites lanternes. Voilà, je vous laisse. Assalamu alaikum.